Eh bien bonjour à tous les amis. Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Kurashiba et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Pixelmon. Donc aujourd'hui on est dans la ville suivante hein, de l'arène. C'est une ville de glace. Enfin je sais pas si on y était déjà allé avant, mais voilà, on est dans une belle ville. Voilà. Donc aujourd'hui on va aller acheter un fossile. Et en fait on va avoir un nouveau Pokémon grâce au fossile, voilà. Donc là il y a tous ces Pokémon qu'on pourrait avoir. Et il y en a un que je connais pas, c'est celui-là. Donc on va acheter ça. Donc là il me reste plus que 5000 Poké-Dollars. Donc là on va devoir aller prendre, non pas ça, notre vieille ambre. D'accord, bon, on va prendre notre vieille ambre, on va dans la salle des fossiles. Là il y a des salles, on ferme, on met notre fossile et on attend maintenant. Voilà, donc je vais pas rester là, enfin si, je vais rester là à attendre, mais je vous dis à tout de suite. Donc là les amis, mon Pokémon est bientôt prêt, donc 98%, 99%, et c'est bon. Donc là en fait, je l'ai déjà fait, mais quand il est à 100%, on met une petite Pokéball en bas, et là on fait clic droit, et là j'ai mon Terra. Voilà, donc, oh là là. Bon, alors le truc c'est que il est niveau 1. On va sortir d'ici, voilà. Alors le problème, c'est que... Enfin, le problème, je sais pas si c'est un problème, mais il est niveau 1. Et il est déjà énorme. Oh, et en plus, je peux voler avec lui. Donc, on va essayer de voler un peu. Allez, allez, allez. Donc, je vais essayer d'arriver... En fait, de voir si on peut... S'il peut arrêter de bugger, déjà. Parce que là... Voilà, c'est quand même stylé, mais il y a des petits bugs quand même. Hop. Bon, on va se servir de lui comme ça, mais pour voler, mais on va quand même le faire XP parce que j'ai pas dépensé 2500 Poké Dollars juste pour avoir un moyen de transport. Bon, on va faire qu'il soit utile. Donc là, j'ai traversé la montagne. Il y avait un tunnel, mais que moi j'ai déjà pris, donc ça sert à rien. Et là, on arrive dans une nouvelle ville, qui est une ville. Enfin, là, c'est un peu un désert. Il y a d'autres Pokémon, voilà. Et je sais pas s'il y a toujours, mais là, juste avant que, juste avant, il y avait un Pokémon dans le ciel. Ah, il y est plus. Il y avait un gros Pokémon vert. Je sais pas trop c'était quoi, mais il y avait un gros Pokémon vert dans le ciel. C'était bien. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. D'accord. Donc là, on va aller regarder le nouveau Pokémon aussi que j'ai eu. J'ai eu un petit tas de morve. Et oui. Alors, en fait, au début, je pensais que c'était un Pokémon, un tas de morphes shiny. Donc, un tas de morphes qui n'est pas de la couleur habituelle. C'est vrai qu'il n'est pas de couleur habituelle, mais en fait, c'est juste qu'il est dans sa forme d'Alola, parce que il y a eu une maintenance qui ont ajouté les Pokémon de la 7e génération. Donc, il y a les Pokémon qui sont comme ça maintenant. Et certains Pokémon qui sont de couleurs différentes. Et j'ai galéré à l'avoir parce qu'il n'était pas au level et que je le one shot à chaque fois. Et je suis un peu déçu. Mais bon, c'est pas grave. Lui, je vais peut-être le. Non, ceux-là, je vais les laisser là. Hop. Et je vais juste donner ça au Ptera qui en a plus besoin. Voilà. Donc, dans cette ville, qui est quand même stylée, hein, y a des trucs dans le ciel, des bateaux, des. Voilà, elle est stylée. Il y a aussi une arène. Bon, je suis pas rentré dans l'arène, mais elle est là, voilà, normalement. Vous devez avoir le triple badge dans l'inventaire. Badge triple, et on va rentrer dans l'arène. Voilà, donc niveau 30. Moi, je dis, ça va aller. 32, 32, 39, 34, 1, 19. Ça va passer facilement. Donc là, on va attaquer avec Scorplane. Hop, on va remettre un peu la caméra mieux.
Voilà, donc tranche. Alors je crois c'est une arête. Ok, d'accord. Là, je viens de prendre très très cher. Non, je disais, je crois que c'est une arène de type eau. Donc le mieux ça aurait été d'avoir des types plantes. Mais moi j'ai que des types eau. Oula. Alors on s'est entretués. Voilà, ça va être combat de Léviator. Ouais. Oh là là, j'ai. Vu comment ça se passe juste pour le premier personne la première personne, je pense que je vais galérer pour le chef, enfin le maître de l'arène. Mais bon, on verra bien. Oula. 5, 6, 7. 7 levels, d'accord. Pourquoi y a mon Ptera qui est là? Allez, on va. Normalement, il peut le faire. Allez. Eh ben non, il peut pas le faire. Ah, oh là là, il en a encore un autre. Ah, j'y arriverai pas. Ouais, c'est ça, il me reste Scorplane et Ptera. Ptera, il est niveau 19. Non, niveau 7, pardon. Il est niveau 7, tu veux qu'il fasse quoi? Il va te manger, il va mourir. D'accord, on n'est pas prêt pour cette arène, donc. Donc on va devoir aller s'entraîner. Donc moi je pensais vraiment avoir le badge dans cette vidéo, mais en fait je crois pas. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Bah tout simplement on va aller découvrir une nouvelle zone qui est juste après. Qui sera beaucoup plus facile pour farmer les levels parce que les Pokémon sont plus haut niveau. Ils ont plus de niveau, donc on gagnera plus d'XP en les tuant. Donc là on va à la plage et on peut farmer des Pokémon de type eau. Ou des Pokémon de différents types en fait. Donc là on a un Pokémon de type roche. Et donc là voilà, ici on peut farmer les Pokémon. En haut on peut monter pour aller jusque dans un temple. Voilà. Et là on peut trouver des Pokémon de type spectre. Voilà. Mais j'ai pas trop, enfin j'ai rien exploré du tout. J'ai juste Je suis juste venu voir ce qu'il y avait. Donc voilà. Donc on va aller à la plage. Et on va faire. Enfin, et je vais faire XP mes Pokémon. Beaucoup. Voilà. J'ai juste beaucoup. C'est tout. Donc bah. Je vous dis à tout de suite. Voilà les amis, donc là, ça fait déjà depuis assez longtemps que j'essaye de faire XP mes Pokémon et que j'y arrive pas. Enfin, si, j'y arrive, mais c'est trop long en fait. J'ai refait l'arène, plusieurs. Enfin, j'ai refait l'arène et c'est vraiment trop compliqué. Donc, mes Pokémon là, voilà, ils sont 32, 32, 40, 34, 14, 19. Et si vous demandez aussi où je suis, ben en fait, je suis dans un lieu où j'aurais peut-être pas le droit d'y être. Peut-être pas le droit d'être. Voilà. Donc, je suis ici. Là, en fait, là, on a le spawn. On avance, on avance, on avance. Et là, on arrive dans une nouvelle ville. On continue à avancer. Là, on a une grotte. Et en fait, ça nous fait ressortir par là. Bon, bah moi, j'ai trouvé un moyen et je suis allé, en fait, à la ligue. Là, en fait, je suis dans le bâtiment de la ligue Pokémon. Bon, il n'y a rien. Mais je pense pas que c'est parce que c'est fini. C'est que c'est pas fini. Je pense juste que c'est que je suis rentré dedans avec mon Ptera. Et que j'arrive pas à ressortir en fait. Je passe là, hop, et mon terrain en fait il est trop gros. Donc il passe plus dans les trous que moi j'ai pris en. Voilà. Normalement il faut passer. Moi je suis passé par là pour monter. Mais mon terrain il passe pas en fait. Même si je suis sûr que. Non, il n'y a pas de place pour moi, même si je descends. Non. Donc voilà. Donc c'était pour vous dire que c'était fini. Et donc qu'on se retrouvera pour une nouvelle vidéo où j'espère que j'aurai bien farmé les Pokémon. Et j'arriverai pour l'arène. Donc les amis, c'était Courage Tuba. À la prochaine.